Je fais mes courses pour une semaine, ce qui fait quand il faut décharger, il y en a vraiment beaucoup. Et pendant que je déchargeais, je pensais, mon Dieu, nous sommes à l'époque encore de l'abondance. Et je le dis à haute voix, et là, mon petit bout de Paul me dit, abondance, oui, il y en a beaucoup. J'ai dit, oui, et toi, mon grand, tu vas être à l'époque du rare et du précieux. Il me dit, je vais avoir des diamants. Oh, je lui dis, non, qu'est-ce que tu vas chercher? C'est pas possible. Même à ton âge, tu es déjà formaté. Ah, il me dit, non, mais rare, rare, c'est les diamants qui sont rares. Évidemment, il avait toutes ces histoires dans la tête. J'ai dit, non, il y aura beaucoup moins de choses. On ne fera pas des courses autant que ce que j'ai fait, c'est pas possible. À ton époque, ça sera rare. Il me dit, alors on n'aura plus rien. Et là, je le vois se décomposer. Ah, je lui dis, c'est pas ça. Je dis, et puis, il avait sa boîte de chocolat. Alors, je lui dis, tant que tu as des chocolats, ça va, mais quand arrive le dernier? Il me dit, j'aime pas le dernier. Pourquoi? Il me dit, parce que je ne sais pas si je dois le garder ou si je dois le manger. Ah, tu vois, il devient rare. Et quand il devient rare, il devient précieux. Et quand tu manges le dernier, il n'a pas le même goût que les autres. Ah, il me dit, oui, ça c'est vrai. Je lui dis, bah écoute, c'est ça ton époque. C'est que le goût des choses va être tellement rare et tellement précieux qu'il y aura des joies infinies qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Ah, il me dit, ça sera bien alors. Ça sera différent, mon chéri. Mais dans toute époque, il y a un côté positif. Et celui-là, eh bien, il en fera partie. Bonne journée.